Et bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre aventure américaine. Je parle évidemment de Far Cry 5, nous en sommes à l'épisode 7 et cette fois-ci direction le trésor, là où j'ai été bloqué et kidnappé par John et Joseph. Donc là c'est parti, on retourne aller chercher notre trésor, c'est ça qui était cool, c'est vraiment l'imprévu. Ok, on a un chien, oh le taureau il a éclaté le chien. C'était terrible, hein. C'était terrible. Ok, donc mon but, c'est récupérer ce trésor. Juste ici. Hop, ça dégage très rapidement. Et je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre. Ok, il n'y a plus personne. Ok, je pense qu'il n'y a plus personne. On va donc récupérer notre trésor. Pour ça, on va voir évidemment la cache. Et on va suivre. Parce que je pense qu'il doit y avoir un truc de très intéressant. Comme chaque cache, finalement, ça doit être méga cool. J'ai déjà 900$, ça va très très vite quand on s'amuse. Faire tout le tour, attendez. Quelle est cette sombrerie? Attends, faut que j'aille en hélico ou quoi là-dedans? Quelle est cette sombrerie? Ok, on va fouiller, hein, c'est forcément autour. Join me, ok, rejoins-moi. D'accord. On va essayer des trucs. Hop, on va prendre la pelle. Soit un malentendu, j'en ai aucune idée. Peut-être un véhicule et que j'arrache tout. On va essayer ça. De toute façon, il y a des véhicules pas très loin. Je veux savoir ce qu'il y a dedans. À quiconque affronte la secte, ses fanatiques m'ont tout pris, ma femme, mes couilles et tout au bord de l'eau. Il y a une entrée secrète menant à mon bunker et à mon garage. Ok, prenez tout ce qu'il vous faut pour massacrer ces salopards. Il y a une entrée secrète. D'accord, donc je suppose que clairement, l'entrée secrète est pas bien loin. Donc, on va essayer de tout fouiller. On a quelques dollars qui traînent. 24 dollars. Où elle peut être? On a une entrée secrète par ici, les gars. Et ces beaux-bourses, ils ont rien trouvé. Je pense que ça peut être que ici, non? Je pense que c'est une trappe, sur le coup. Parce qu'on peut rejoindre que de l'extérieur. Est-ce que je m'égare? Moi, je pense... On voit des traces de pneus. On voit des traces de pneus qui sortent d'ici. Il doit y avoir un bouton, il doit y avoir quelque chose, non? Ok. Je vois que là, mais comment rentrer? Ça, c'est... Ça, c'est assez incroyable. Je vois pas du tout comment rentrer. Ah, yes, ok. Yes, d'accord, putain, damn. Ah non, là les gars, sur le coup, fallait chercher, fallait réfléchir. On est parti, hop, coup de perle. Ah, attends, ça aussi c'est quoi? Lâcher le frein. Ok. D'accord. Et comment on fait maintenant? Putain, c'est pas vrai. Comment on peut faire? Comment, bordel de merde, peut-on faire? Ok, message de la secte, très bien. Comment on peut faire? Est-ce que en ramenant cette voiture, vous croyez qu'on peut relier? J'y crois pas trop, hein. J'y crois pas trop, mais on est dans une aventure américaine tout de même. Oh, d'accord. Ok, on peut totalement tracter. Ok, très bien, on peut totalement tracter la remorque. Oh, il y a des choses à savoir. Incroyable, tout ce qu'on a fait là. C'est parti, trouver la cache, c'est fait. On rentre dans la cache. Et là on va se régaler les gars, là on va vraiment se régaler. Oh, il y a une télé, trop cool. Ok, oh là 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 là, régalez-moi, régalez-moi. Des medikits, c'est tout? Non attendez, j'ai pas fait tout ça pour ça quand même. Attendez. C'est pas ça la cache. Ah non, ok, elle est là. J'ai eu un petit moment de doute, je vous avoue que j'ai eu peur. Il s'est fait un petit bunker, il s'est mis super bien le mec, hein. Oh là 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 là, un nouveau véhicule, l'antre de mal. Aïe 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 aïe. Matez-moi tout ça, des points de compétence. Ça c'est bon ça, ça c'est bon toute cette tunasse. Ça offre pas mal de trucs, pas mal de points de compétence, c'est méga bien. Oh là là mec, ça nous a mis trop bien les gars. Ça nous a mis trop bien, 3 points de talent. Vous savez quoi pour la peine? Déjà, je rentre, je me permets de rentrer dans mon nouveau véhicule bien évidemment. On va changer de siège et... Bah vous savez quoi, on va faire le trésor qui est tout simplement
par ici, direction notre nouveau trésor, les potes. Et on va voir un petit peu ce qu'il y a. Oh, c'est un monstre. C'est totalement un monstre. C'est totalement un monstre. Là, je suis content. Là, je vous avoue que je suis super content, les gars. On a réussi à trouver une cache. On va faire la deuxième cache. Et déjà, c'est plutôt cool en un épisode de cache. Et ensuite, on va faire bien évidemment une quête principale. Ne paniquez pas. On prend notre temps histoire de se remettre dans le bain. Histoire de se remettre bien. C'est parti. Eh, je vais passer en conduite auto, si ça ne vous gêne pas. Vous êtes nombreux à m'avoir dit la quête de Boomer, donc le chien avec laquelle j'ai fait ma première vidéo. N'hésitez pas à me dire c'est laquelle, que je la fasse rapidement. Ouais, mec, tu es zéro, toi. Ok. Allez, la secte veut faire quelque chose à l'eau. Je me suis enfermé pour les arrêter. Cette porte s'ouvre pas de l'extérieur. D'accord. Il est totalement mort. Je l'ai totalement arraché. En plus, il y avait... Ok, qu'est-ce qu'on a verrouillé de l'intérieur? Très bien. Encore une nouvelle énigme pour John McElwain. Étant donné que c'est mon aventure américaine, c'est pour moi. Alors, par où on peut bien passer? Tirer sur le cadenas. Quoi? Ok, tirer sur le cadenas, j'ai vu une fenêtre. Info sûre, il faut prendre la place du snipe. Donc on va le faire de ce pas. Aucun problème. Bon, ah, j'ai si jamais tu te retrouves à court d'argent, le meilleur moyen d'en gagner, c'est d'aller chasser. Il y a pas mal de gens dans le coin prêts à payer pour de la viande et des peaux de bêtes. Ouais, c'est vrai qu'il faut que je vende aussi mes peaux de bêtes. Bien joué. Bien joué à vous. Ok. Ok, ça c'est pas mal. Vider la cache, ça c'est pas mal. C'était une cache très rapide, il fallait le faire. Et on se fait encore de la thune, les gars, je vous le dis hein. Je vais acheter bientôt le meilleur sniper avec un silencieux, ça va arracher, et si possible un sniper à verrou, c'est à dire un rechargement entre chaque balle, ça c'est juste pour le côté un petit peu stylé, swag, qu'on apprécie évidemment, le côté un petit peu Montana américain quoi, on est parti. Oh là, l'enfer du bruit par contre. Hop, c'est bon, ça s'est arrêté. Au bout d'un moment ça allait la connerie. Attends, ils vont... Non, ils vont pas me localiser. Je suis bien trop, trop rapide pour eux, trop futé. Yes, mon pote, on est là. Et ouais, mon gars, j'ai pas pu voir la thune que je me suis fait. Et ça, c'est terrible. Je suis déjà plein niveau bouclier. On a une nouvelle arme. Qu'est-ce que c'est? C'est exactement... Ah non, c'est pas la même. On dirait la même, mais on dirait pas la même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même. Mais on aurait dit la même. Ok, c'est pas grave. On va fouiller ici un petit peu partout. Là, je vais sortir, je vais être accueilli. Oh, j'ai failli oublier. 3 points de compétence à ne jamais oublier. Bon, bonne chance. Il est malade celui-là. Mais ferme la porte, mon ami. Les courants d'air, pense-y. C'est parti. Alors là, on a beaucoup de quêtes. On a beaucoup de quêtes principales. On a celle-ci. De l'argent. Quête principale aussi. On a celle-ci qu'on voit qui risque d'être l'enfer. Rejoignez la grange de Hyde, ça peut être pas mal aussi. Et on a celle-ci aussi. On a vraiment pas mal de quêtes. Et on peut aller à Folzen. Je pense qu'on va aller à Folzen pour rejoindre le pasteur. Ça me paraît pas mal. C'est juste à côté. Et on va voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Quoi? Ok. Ok, on va rester planqué dans l'eau. On va se soigner calmement. C'est très très chaud ce qui s'est passé, hein. J'aurais dû ressortir. Ils m'attendaient les mecs, hein. Ils m'attendaient. C'était assez terrible, donc on va remettre. Attendez, un point, Folzen il est mis. Oh déjà, putain c'est vraiment chier. On va devoir passer par ici, ils m'attendaient, hein. Oh là là, un petit guet-apens, un petit David guet-apens. C'est pas grave, je m'en suis sorti, c'est le principal. Direction le père. On va voir un petit peu ce qu'il va nous dire. Ah, pas vraiment le père, le prêtre plutôt. Le père c'est quand même un petit peu Ok, d'accord. Ils sont vraiment partout, ils sont terribles. Ils sont beaux. Tout droit arrivé de l'Ohio. Hop, on dégage. On dégage sur une petite coupée. Et ça, ça fait plaisir à la famille. Allez. Salut, amigos. Allez, on se casse, hein. On se casse directement. Je sais pas si on peut péter les pneus dans ce jeu. Si, je pense. Je pense au talent. Allez, salut les mecs. Regardez ce que t'as pas regardé. C'était dingue. Ils étaient venus à 2 voitures, moins 3 voitures. Waouh. J'ai un peu crevé, il y a eu des morts. Waouh! Bison! Boum! Bolos! Oh, t'as pris ce que tu méritais, frérot. Hein. Oh, toi, t'as. Oh, toi, t'as pris ce que tu méritais. Hein. Oh, je suis désolé, mais.
Oh là là, peau de bison. Je prends direct. J'ai été monstrueux, les mecs. J'ai été monstrueux, on a de la peau de bison. Ça, ça doit valoir une blinde, ça. T'as vu le bordel? T'as vu un petit peu le bordel? Allez, faire du hors-piste ici, c'est compliqué. Attends, on a un cerf. Je prends. Je prends, ça peut être aussi intéressant. Ah, quelqu'un l'a déjà pris, la peau. Très bien. On se casse, les mecs. Ah, j'ai un pneu crevé. Ah oh, ouais, l'enfer. J'y vais, hein. Je fais du hors-piste, hein, quitte à avoir un pneu crevé. Au moins, ça rentrera avec la géométrie du terrain. Oh, là, ça passe, les mecs. Eh, c'est de l'allemand, hein. C'est un bon moteur. Hop, ça, c'est rien. Ah, si je peux arracher le taureau pour me manger de ce qu'il m'a fait les deux épisodes. Et ben voilà. On sort avec classe, en plus. Petit drift, on apprécie. Les gars, j'ai été monstrueux. Voilà, sucez-moi, j'ai envie de vous dire. On est parti. On retourne à l'église. On va voir ce que le frérot a à nous dire. Ça peut être, à mon avis, très, très, très intéressant. Ah, j'aurais peut-être dû avancer un petit peu. J'ai peut-être été américain sur le coup. Mais bon, c'est pas grave, ça me fait un petit peu de marche. Et je piquerai un truc ou une connerie comme ça. Vas-y, mon pote, dis-moi tout. Dis-moi qui tu es, je te dirai qui je suis. Dieu entend tes prières. Oh 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 oh. Pasteur! Ok, je prends. $250. Je commence à me faire pas mal de thunes. Les gens que tu as sauvés à l'élevage Woodson m'ont parlé d'un transfuge. Il s'est réfugié auprès de la résistance au camping de Silver Lake. Mais je n'ai pas de nouvelles depuis. Je ne sais pas quand le Seigneur me soulagera du fardeau de tous ces blessés. Va au camping de Silver Lake et assure-toi que ce garçon est sain et sauf. Nous devons être ouverts au pardon. Sinon, nous ne valons pas mieux qu'Eden's Gate. D'accord, quitter le navire, mission principale. Alors, on va pas la faire tout de suite. Oh, sympa, ça. Intérieur rouge, cuir. Oh, lolo, 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 on adore. On a quoi? Le convoi armé, ça faudra le faire, hein, on n'aura pas trop le choix. Mais j'ai plus envie, je vous avoue, de rejoindre Hyde. Parce que c'est la mission la plus proche. Détruisez le groupe de camions de John à l'ouest. Ah, il y a pas mal de quêtes. Ah non, ça, c'est la même quête. Trois quêtes ici, d'accord, très bien. J'ai envie de faire ici quand même. On a une quête ici pour avoir un des trucs, une des premières quêtes. Je pense que vous savez quoi, on va faire cette quête là pour avoir le truc. On va essayer de les faire en ordre pour pas être trop voilà. Hein, on va pas, on va éviter de s'égarer parce que dans votre tête après vous allez dire mais boy, moi je comprends plus rien. Un con demande d'arracher des convois et tutti quanti. Non non non, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On va faire les quêtes en ordre. C'est pour ça que je reviens ici. Hop, on va faire cette quête tout simplement. Et en plus, on aura un truc, et ça, c'est plutôt cool. Allez, c'est par où? C'est par ici, c'est à 300 mètres. On dirait pas, hein, mais c'est très, très grand. Ah, attendez. Attendez, est-ce que mon côté américain peut me permettre d'acheter, n'est-ce pas? Ah, c'est ça la différence. Ok, ça, c'était une M4, et ça, c'était vraiment un sniper sur le coup. D'accord. Mm-hmm. Une lunette. Attends, on a des lunettes incroyables. Ok, j'ai envie d'acheter cette lunette. Hein. J'achète, on verra les gars, on verra. Peut-être un regret, peut-être pas. On verra. Cet endroit te paraît peut-être merdique, mais c'est chez nous. Non, c'est pas mal, ça me plaît bien. Ça me plaît totalement. Hop, je t'emprunte ça, frérot, tu m'en veux pas? Regardez-moi, ils sont encore là. Ils traînent partout. Non, mais c'est pas possible. Pourquoi ça vire toujours à droite Bon, c'est bon. Vous allez tomber sur des fanatiques à coup sûr. Alors faites attention. T'inquiète, ça me connaît bien les fanatiques, y'a aucun souci. On a un convoi à droite, hein, oubliez pas. On fera ça un petit peu plus tard. Ok. Allez, on est reparti pour la petite musique des familles. Ok. Ok. Lui, il a pris ce qu'il méritait, hein, je vous le dis. Ok. Il faut juste que je rentre, entre dans l'entrepôt. Il faut que je tue les VIP, hein, ça rapporte plus d'argent. Appréciez cette petite musique. Vous pouvez avoir
Clé requise. Forcément. Ok. Ah, faut les piller aussi, on m'a dit, pour l'argent. C'est très important. Voilà, des petits 10 dollars à gauche, à droite. C'est toujours bon à prendre. Ok, on peut toujours pas. VIP de la sec tuée. Pas grave, on va reload calmement. On va liquider. Ok. Ok, c'est pas mal ça. Ah, t'étais là toi. Ok, c'est pas mal. On l'a fait en bourrin celle-ci, hein. On va la faire en bourrin calmement. Abuse pas, abuse pas. Abuse pas! Il se casse? Mais il va où? Mais tu vas où, frère? Ok, entrer dans l'entrepôt. Bon, il a paniqué le mec, ok. Clé, ok, donc c'est verrouillé, ça risque d'être assez terrible. Il est parti tellement loin, le mec. Regardez-le. Regardez-le tout là-haut. Oh! Je peux le libérer? Ah! J'ai fait une grave erreur. Il veut me tuer, hein. Il veut totalement m'arracher. Allez, ça dégage. Bon, je voulais pas le tuer, les gars, pour le bien de tous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, on a une lettre ici. Nous devons prendre le contrôle de cet endroit. Il faut que j'arrive à rentrer dans l'entrepôt. Quelle astuce utiliser? Mais il revient? La vérité revient? Mais pourquoi tu reviens? Mais il se casse vraiment encore! Totalement cinglé! Ok. Ok, on prend aussi. Bon! Comment on rentre dans cette connerie, putain? Peut-être par ici, non? Peut-être aller tout en haut. Ah, la tyrolienne! Je pense qu'il faut aller tout en haut. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas. Voilà. Ah, pas du tout, hein. Pas du tout, hein. Forcément, ça ne passe pas. Ok, bougez pas, les gars. On peut pas éteindre. Ok. Comment faire? Ah oui, mais là on peut pas rentrer en fait. Ok, bon je sais ce qu'il faut faire. Clairement je sais ce qu'il faut faire. 10 contre 1, faut passer là-dedans. Chris! Mon entraînement m'a emmené à plein de trucs. Voilà, maintenant on passe par ici. Maintenant, par ici. Aucun problème, les mecs. Voilà. Je pense qu'il y a que ça, hein. Il y a que ça, hein, pour rentrer dedans. Allez, on va sauter. Putain, si vraiment c'était ça. C'est pas évident, hein. Faut vraiment trouver leur petit planque à chaque fois. Ok, c'est bon. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal du tout ça, hein, ce qu'on fait là, hein. On propose du très très lourd, hein. C'est pas mal. Bon, ça y est, on y est ou quoi? Allez, tyrolienne. On est parti. Ah mais oui, il faut que je rentre. Mais j'étais passé par là en plus. Je l'avais déjà fait. Hop, regardez. Comme une lettre à la poste. Ça dégage, c'est bon, on a le truck. Ça c'est fait, ça va nous débloquer à l'avenir. Oh, 69$ je prends. J'adore ce chiffre en plus. Ok, on a des outils, très bien. Toujours verrouillé. Bah c'est bon les mecs, on y est. On y est totalement. C'est vrai que je vous avoue que j'aurais pu le faire un petit peu plus tôt. On a un loup ici qui est totalement bugué. Allez, le truc, c'est fait. Maintenant faut que j'emmène où? Foncez dans les barrages. Eh ben les mecs, America. Fuck yeah. Station suivante, allume et éteindre la radio. J'ai jamais trouvé comment on allume ou éteint la radio, les mecs. On fonce dans 9 barrages, c'est énorme. Faire un tour de la ville ou quoi? Ah oui, d'accord, c'est vraiment des barrages en plus qu'on se fait. Putain de merde, vous avez réussi. Vous avez récupéré le Widowmaker. La sec va vraiment vous en vouloir. Enfoncez-leur dans la tronche autant que vous pouvez. C'est pour vous tout ça, putain, c'est pour l'Amérique. Soyez pas timide, officier. Ah putain, mais j'ai des mitrailleuses lourdes. Attends, ça c'est des civils, c'est terrible.
Les gars, c'est quoi ce délire? J'ai vraiment des mitrailleuses installées sur mon truck, putain. Vraiment, les mecs? Vous avez fait ça? Je sais qu'on est en Amérique, mais quand même, peep my truck. Je sais que t'es américain et que t'adores les armes. On va mettre deux M60 au devant du véhicule. Tu vas t'éclater comme jamais à l'avant de ton truck. Putain, c'est n'importe quoi, les mecs. Hein. Allez, déjà 3 sur 9, ça c'est fait, les gars. Encore une fois, ma touche ne fonctionne pas pour arrêter la station radio. C'est très très chiant. Je vais en mettre un raccourci un peu chelou, tu vois, un peu suspect. Ça, c'est en PPT. Ça dégage totalement. Hop. Je vide. Les gars, moi je vide. Hein. Ici, ça va. Hein. On nettoie. Hein. Ouais, par contre, un hélico, je. Il y a quelque chose. On a un lance-roquette. On a, je sais pas, on a fait ça un petit peu. Allez, ça dégage. C'est rien, les gars. Putain, mais ce truc est magnifique. Je vais le prendre H24, les gars. Ah bah, je vais le prendre H24. Ok, allez, on y va. Voilà, ça dégage, hein. Ça dégage totalement. Plus que 3, les gars. Plus que 4 même. Hop. Ça, ça dégage aussi. Oh, des biches. Oh non. Oh. Désolé de ce carambolage, j'adore. Ah, il y en a un qui est bloqué sous un pneu. Attends, hop, tu peux dégager, frère. Juste, tu m'as bloqué, c'est chiant. Allez, hop, ça envoie des signaux de détresse. Barrez-vous, les animaux, barrez-vous! Je ne maîtrise plus rien, putain! Allez, plus que 3 cette fois. Ok, c'est par ici, yo, les gars. Allez, ça dégage. Là, il y a du mort, hein, c'est moi qui te le dis. Je sais pas c'est quoi la récompense en dehors du troc, j'espère un petit peu de thune. Ce serait sympa. Allez, ça dégage aussi. Ah, je peux pas me tirer sur un mec. Oh, je leur mets ce qu'ils méritent, hein. Je leur mets leur dose, hein. Je leur mets clairement leur dose, les gars. On a parcouru pas mal de chemin, mine de rien, avec toutes ces conneries. Regardez le pneu. Il va plus vite que moi. Qu'est-ce qu'on a là? Oh non, c'était. C'est un taureau, totalement. Et des vaches. Je ne sais pas. Il y a eu un carambolage de vaches. C'est terrible. Allez, les deux derniers barrages. Hop, ça dégage. Et plus qu'un. Et après, je suppose qu'il va falloir ramener le truck. Peut-être à Paul Zen. Il me semble que ça ressemblait à Paul Zen, la ville qu'on a libérée. A voir. Hop, ça dégage. Et boum! C'est fait, les mecs! Mon père aurait été fier de vous voir conduire le camion comme vous le faites. Rapportez-le à la maison, à Paul Zen. On l'attend. Ok, c'est pas à côté. C'est pas à côté. Attendez. J'ai une petite. Ah, en fait, ok. On est parti d'où? On est parti de là. On a fait ça, toute cette route. Ça nous a permis de visiter le champ et tout. Très bien. Et on va passer par ici. Ok, ça fait peur. Ok, c'est pas ici. Hein. Là, on est en conduite auto. Ah merde. Voilà, c'est bon, j'ai retiré. Bon, remarque. On se met en conduite auto, comme ça on peut discuter. J'espère que cette aventure vous plaît. Mine de rien, parce que c'est assez incroyable. Oh, allez, ça dégage. J'espère que cette aventure vous plaît. Far Cry, en tout cas, merci à tous d'être aussi nombreux à la regarder. Merci à tous de mettre autant de likes, des commentaires, de participer. Vous êtes incroyables. Bon, vous êtes mignons à essayer de vouloir m'aider alors qu'il y a des trucs que je sais et que je ne fais pas parce que je n'ai pas envie de le faire. Mais vous êtes mignons comme tout. Vous êtes adorables. Vous êtes beaux de toute façon. C'est une évidence. Vous êtes même les plus beaux, je pense. Donc, merci à vous vraiment du fond du cœur d'être présent à mes côtés aussi souvent. C'est juste dingue. Malgré que parfois ma chaîne je la laisse un petit peu respirer, je produis pas de vidéos, bah quand j'en produis vous êtes toujours là et vous êtes fous, les gars, merci à vous. Ok, on va l'emmener, c'est juste ici. Hop, j'ai tué. Ouais, je lui ai mis ce qu'il méritait. Je lui ai mis totalement ce qu'il méritait. Allez, ça dégage. Ça c'est fait, les mecs. Je viens de tuer son chien. Oh non, non, les gars, je suis tellement désolé, c'est pas grave, il revivra. Rassurez-moi. Je dois dire que revoir le camion de mon père, ça me rappelle pas mal de bons souvenirs. Je me tenais ici chaque fois qu'il rentrait à la maison, comme aujourd'hui, et je lui faisais coucou. Vous avez assez de cran pour le conduire. Mais surtout, vous avez du courage. Vous auriez plu à mon père. Si jamais vous avez besoin d'utiliser le Widowmaker, n'hésitez pas. En attendant, je vais rester à l'affût. Si j'entends quelque chose d'intéressant, je vous fais signe. Merci encore, officier. De rien, ça, c'est fait. Le Widowmaker. Mission terminée, débloquée dans les boutiques. On va pouvoir le sortir à toutes les sauces, ça va être incroyable. Alors, il est temps, avant de se quitter,
d'aller faire un petit tour dans les menus. Il nous reste... Oh, le coup des convois, va falloir le faire, c'est horrible, il y en a trois. Il y en a un ici, un ici, un ici, on va devoir les arracher. On a le festival aussi, mais c'est une quête secondaire. Mais je comprends pas parce que c'est... On voit le drapeau américain, c'est-à-dire que c'est une quête principale, on dirait, non? C'est très bizarre, on voit le drapeau américain, mais pas vraiment. Et attends, ici, il faut que j'y aille aussi. Putain, il arrive. D'accord, c'est ça les quêtes principales, je pense. Très bien, on va les débloquer. Par contre, ce Boomer, il est où? Ah, mais il est là, Boomer! Désolé, mon chien, frérot. On va y aller, on va y aller, on fait Boomer. Alors, prochain épisode, les gars, on fait Boomer pour qu'il soit dans notre équipe. Et après, on va faire tout simplement le convoi armé. Donc ça, c'est le prochain épisode, ça va être juste dingue. Et j'ai gravate. Et d'ailleurs, vous savez quoi, on va en profiter pour totalement stepper pendant que je vous dis au revoir. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire, ça fait extrêmement plaisir. Je vous dis à demain, je pense, pour l'épisode numéro 8 où on libérera Boomer. Et là, en fait, c'est que des missions secondaires, hein, à part quand je me suis fait kidnapper et tout, ça faisait partie des missions principales. Mais les missions secondaires, elles apportent des trucs incroyables. Le truc est juste monstrueux. On est TP. Portez-vous bien. À demain. Ciao, ciao.